30 minutes. Pendant les discours. Si, si, elle est avec moi. Ouais. Ah oui, si, ça y est, je te vois. Voilà. Non, mais reste là. Et là, c'est juste qu'il se passe rien. Enfin, pendant 30 minutes, c'est, ouais, c'est statique, quoi. Mais t'es au bon endroit pour après, quand ça part, voilà. Donc tu peux rester là. Ouais. Bah, ou tu restes là où tu viens dans le local. Ouais, ok, allez, à toi. C'est à nouveau à la disparité. Orléans fait preuve envers Jeanne d'Arc d'une fidélité qui dessine, depuis 1429, un long et profond sillon dans le temps. Chaque année, Orléans fait revivre son héroïne pour la remercier de l'avoir libérée. Les Orléanais sont au rendez-vous de l'histoire, de cette histoire qui est la leur et celle de Jeanne d'Arc. Mesdames, messieurs, veuillez accueillir monsieur Serge Grouard, maire d'Orléans et président d'Orléans Métropole. Quand dans la nuit impassible de l'histoire, une flamme crépita sur un bûcher de Rouen, la France, qui n'était pas encore la France, s'était trouvée une héroïne
et l'humanité un symbole et une profondeur. L'histoire de Jeanne d'Arc est tragique. Elle qui incarne l'éternelle jeunesse, faute d'avoir pu vieillir, et qui nous crie depuis son éternel repos à l'injustice du monde, elle nous dit que l'histoire, en général, est tragédie. Madame la présidente de nos 593e fêtes joanniques, chère Masha Kondakova, vous qui êtes ukrainienne, vous ne savez que trop ce que tragédie veut dire. Nous autres Français, nous autres Européens, nous pensions en être enfin sortis pour une paix perpétuelle au relent de fin de l'histoire. Après des siècles de guerre, nous touchions les dividendes d'une paix définitive, oubliant que le monde est hostile. Fausse naïveté ou vraie amnésie, je ne sais pas. Et voilà que l'horrible démon, à un moment repu ou simplement assoupi, ressurgit du diable Vauvert. Le présent retourne au passé comme dans un cauchemar récurrent. Une nouvelle guerre frappe en Europe, avec son affreux cortège de destruction, de crimes et de viols. Comme l'on détruisait, tuait et violait au temps de la guerre de Cent Ans. De retour, la barbarie crée l'effroi en même temps que l'incrédulité. Un pays souverain, l'Ukraine, est sauvagement agressé. Personne ne voulait y croire. Et lorsque l'on disait, avant l'invasion, qu'il fallait y envoyer des militaires de chez nous, on était aussitôt traité de dangereux va-t-en-guerre. Curieuse inversion des choses. L'histoire est tragique, le présent tout autant. On a laissé faire, voilà la vérité. Et je me demande comment le futur nous jugera. Lâcheté, aveuglement, hypocrisie, c'est au choix. L'expérience ne nous a servi de rien. Et pourtant, elle est bien là. La France, dans sa chair, a subi elle aussi les outrages de l'agression. Et ce n'est pas si loin que cela. 1935, la Rhénanie. 1936, la guerre d'Espagne. L'Anschluss, les Sudètes, la honteuse reddition morale de Munich, le démembrement de la Tchécoslovaquie, l'invasion de la Pologne. Pour aller où ? À Montoire, dans un wagon plombé, pour signer l'odieuse capitulation et presque 5 années d'une sinistre occupation. Dramatique résonance aujourd'hui avec Grozny, la Crimée, le Donbass, Mariupol, Kharkiv. Pour aller où cette fois ? On croit toujours sauver la paix. On hérite de la guerre et du déshonneur en plus, pour reprendre Churchill. Et l'Europe, que fait-elle ? Elle fait ce qu'elle peut, c'est-à-dire trop peu. Presque rien à l'aune du désastre en cours. Elle pouvait grandir, devenir l'acteur puissant et crédible que l'on attend d'elle, en vain. Le gaz n'a pas d'odeur. Mais voilà aussi que l'espoir résiste. Comme Jeanne d'Arc, venue du fin fond de la Lorraine, un président venu de nulle part porte l'étendard d'une résistance admirable. Une population tout entière résiste dans une même volonté farouche et sublime. Un peuple debout meurt sous les bombes. Il ne meurt pas, il est en train de naître. Je veux saluer ici nos amis ukrainiens installés à Orléans et remercier du fond du cœur celles et ceux d'entre vous qui les accueillent.
comme je veux saluer Monsieur le maire de Cracovie, notre ville jumelle, et sa délégation ici présente. Ce sont des centaines de milliers d'Ukrainiennes, femmes et enfants, qui sont réfugiés à Cracovie. Madame la Présidente, c'est plus qu'une joie de vous recevoir à Orléans, c'est un honneur. Vous êtes ici dans une ville qui fut, il y a bien longtemps, en 1429, assiégée et meurtrie, mais résistante et libérée. Elle ne l'oublie pas et sait que l'épée aux cinq croix et l'étendard de Jeanne d'Arc furent la réponse victorieuse à la barbarie d'alors. Aujourd'hui, ici, comme il y a 600 ans, vous portez avec courage la résistance admirable de tout un peuple. Son idéal de liberté ne peut pas mourir et ne mourra pas. C'est pour cela que vous allez vaincre, et le prix en est lourd. La volonté du combattant vaut bien plus que l'épaisseur de la muraille, disait déjà Thucydide. C'est aussi pour cela que nous avons le devoir de vous y aider et de vous accueillir dans la grande famille des nations européennes. Dans la dialectique des volontés qui s'affrontent, la seule bonne volonté n'est pas de mise. Elle est le leurre des naïfs et la lâcheté des cyniques. Il n'est que temps que l'Union européenne se reprenne. C'est encore pour cela que flotte ici le drapeau ukrainien dans nos rues pavoisées. Plus que de l'assumer, je le revendique parce que votre combat est le nôtre. Orléans, depuis 600 ans, est la ville qui honore Jeanne d'Arc. Elle se souvient, elle sait ce que nous lui devons. Elle ne transige pas. Elle connaît, elle, les leçons de l'histoire. Elle ne pouvait donc pas ne pas être au rendez-vous du présent, elle qui se souvient du passé. Chères Orléanaises et chers Orléanais, Jeanne d'Arc est tout à la fois le creuset de ce qui fait la nation française dans ce qu'elle a de plus profond, de plus subtil, de plus sacré, comme elle est le socle indestructible de ce qui fonde les valeurs universelles d'humanité. Dans les temps troublés que nous vivons, le message de Jeanne d'Arc transcende les époques pour parvenir jusqu'à nous. Dans notre société qui doute, qui se fracture et qui peine à imaginer son avenir, il murmure à qui sait entendre les raisons de l'espoir. Il nous dit d'abord que la vie de la nation n'existe que par sa volonté d'être. Il nous invite ensuite au rassemblement. La diversité peut être belle lorsqu'elle s'unit dans le même élan de valeurs partagées. Elle est mortifère lorsqu'elle se communautarise dans l'indifférence ou la confrontation. Il nous appelle enfin au sursaut pour que vive la République et vive la France. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir Madame Masha Kondakova, présidente des Fêtes 2022. Monsieur le maire Serge Grouard, Mesdames et Messieurs, chers amis d'Orléans, шановні українці, c'est un honneur pour moi de pouvoir m'exprimer devant autant de Français aujourd'hui et devant certaines de mes compatriotes. Un honneur de pouvoir représenter mon pays natal, l'Ukraine, et de le faire durant cette fête particulière, la fête de Jeanne d'Arc, un symbole de résilience et de courage. D'un côté, il y a mon Ukraine, que j'aime et qui se bat pour la liberté. De l'autre, Jeanne, une personnalité incontournable dans l'histoire française,
que j'admire et qui s'est battue pour son pays. Orléanaise, Orléanais, en me choisissant, moi, Ukrainienne, pour célébrer aujourd'hui la libération de votre ville par Jeanne d'Arc, c'est un véritable message d'espoir que vous envoyez. Et quel message ? C'est en Europe, le conflit le plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale. Cette guerre rassemble l'Europe avec l'Ukraine, qui n'a jamais juridiquement fait partie de l'Union européenne. Mais, depuis la révolution de Maïdan en 2014, l'Ukraine a fait son choix de se tourner vers la démocratie et en payant malheureusement le prix fort, en tout cas pour moi intolérable, par centaines de vies civiles. Malgré les circonstances, je suis heureuse. Très heureuse de pouvoir partager ce moment de fierté et d'histoire avec vous. Mon pays natal est en guerre. Le pays où j'ai grandi librement, où je suis tombée amoureuse pour la première fois et où j'ai entamé mon métier de réalisatrice. J'ai connu la guerre pendant le tournage de mon film documentaire Inner Wars, les guerres intérieures, qui suit trois femmes combattantes sur la ligne de front dans l'est de l'Ukraine. Je dormais dans des pirogues en filmant un de mes personnages. J'ai échappé à la mort plusieurs fois, puisque derrière la caméra, on oublie le danger. Mais il est un devoir pour moi de documenter. Il faut capter un moment qui est détendu, dénudé face à la mort, ou bien partir en étant envahi par la peur. Moi, je choisis d'assumer le risque en pensant qui vivra verra. Et aujourd'hui, je suis sincèrement touchée et émue. Et je sais que l'Ukraine se joint à moi à travers de ses paroles, par la manière dont les Orléanais se sont immédiatement mobilisés et engagés face à l'invasion russe, face à la guerre, pour aider à toutes les manières possibles à sauver les filles des femmes et d'enfants. En faisant cela, vous prouvez encore une fois que la liberté est plus forte que tout, que la liberté est et restera ce qui nous unit et ce qui nous fait vivre ensemble. Il y a deux mois encore à Kyiv, nous pensions à l'avenir. Mais la guerre a frappé à la porte de chaque famille, créant des milliers, des millions de réfugiés. Ce sont des gens, des femmes et des enfants que vous, Français, êtes en train de sauver. Ils ont vu leur maison, leur vie, leurs rêves s'effondrer en une fraction de seconde, en un grondement de missile. Ma mère, physicienne, ma sœur, pianiste, sont des réfugiés de la guerre aujourd'hui. Je n'aurais pu jamais imaginer cela. Et par chance, ils ont pu se rendre en France. Et d'ailleurs, figurez-vous qu'ils sont actuellement accueillis par une famille elle-même réfugiée d'un autre temps, il y a presque un siècle, qui intégrait dans ses gènes ce devoir de solidarité. L'histoire se répète. Malheureusement, c'est effrayant. J'avais promis à ma mère, qui est née le 8 mars, par hasard, aux coïncidences, c'est la journée internationale des droits des femmes. Je lui avais promis de fêter son anniversaire à Paris. Mais le 24 février, jour de l'invasion russe, a changé la donne. Elle a dû avancer son départ, pour le meilleur ou pour le pire. Mon père,
lui a choisi de rester sur place. Il est actuellement à Kiev. Mais elle a soutenu ma mère dans sa décision. Par amour. La guerre sépare deux gens qui s'aiment et réunit des inconnus. Mais grâce à la solidarité et à la compassion, les familles ukrainiennes se sentent en France les bienvenues. Merci donc pour tout votre soutien. Il y a un proverbe ukrainien, «Воля або смерть», qui dit «La liberté ou la mort». La vie, la liberté, la mort sont en français des mots féminins, comme en ukrainien d'ailleurs, qui signifient en soi le courage et l'effort. Quant à elle, des notions masculines. Ce sont les hommes qui font la guerre, mais ce sont des femmes qui soignent, qui protègent et qui finalement sauvent, comme notre Jeanne d'Arc. Nous sommes venus dans ce monde pour accomplir une mission. Le temps est venu. Je pense qu'aujourd'hui, grâce à votre solidarité, grâce à votre humanité et tout simplement grâce à votre amour, nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Pas seulement celle de l'Ukraine, mais de toute l'Europe, peut-être même du monde. Je ne peux pas terminer sans parler de Future for Ukraine, Futur pour l'Ukraine, l'association que je défends et qui a été créée dans l'urgence pour faire des dons, bien sûr, mais surtout pour nous aider à loger et à subvenir aux besoins de familles ukrainiennes en France, pour qu'après, ces familles puissent revenir en Ukraine pour reconstruire notre famille, notre pays, notre famille et créer une nouvelle belle avenir. Je crois en l'humanité. J'y crois profondément. Ensemble, nous sommes plus forts et plus grands. Offrons à nos enfants un avenir à l'image de votre ville, libre. Laissons-les grandir et s'épanouir. Porter nos valeurs communes, celles de la liberté, égalité, fraternité. Je vous remercie. Слава Україні! Героям слава! Vive la France! Vive l'Ukraine! Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous? Féroce sont
parce que l'Europe admire, a reconquis la liberté. Et chaque citoyen respire sous les lois de l'égalité, sous les lois de l'égalité. Un jour son image chérie s'étendra sur tout l'univers. Peuple, vous briserez vos fers et vous aurez une patrie. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons. Mesdames, Messieurs, la garnison d'Orléans a l'honneur de vous présenter l'édition 2022 du traditionnel hommage militaire à Jeanne d'Arc sous la forme d'un défilé militaire très complet, composé de troupes à pied, motorisées et survolées par une composante aérienne. 600 personnes défileront aujourd'hui devant vous, accompagnées par la musique de l'air venue spécialement de Villacoublay. Dans un premier temps, vous assisterez à un défilé à pied composé des différents détachements provenant du groupement de gendarmerie de la région Centre-Val-de-Loire, du 52e bataillon de transmission américain stationné à Stuttgart en Allemagne, du 12e régiment de cuirassiers d'Olivet, du Centre national de soutien opérationnel d'Orléans, de la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy, de l'escadrille SPA 124 Jeanne d'Arc de l'escadron de chasse 25 Île-de-France stationné sur la base aérienne 115 d'Orange, de la direction des approvisionnements en produits de santé des armées de Chanteau, du groupement de soutien de la base aérienne de défense d'Orléans-Brissy, de cadets de la gendarmerie, de la préparation militaire marine d'Orléans et de jeunes sapeurs-pompiers d'Orléans. Toutes ces unités défileront derrière leur drapeau ou fanion. Un détachement du régiment de la garde républicaine de Paris, en poste au domaine de Chambord, clôturera ce défilé à pied, puis le défilé motorisé sera ouvert par le peloton motocycliste de la gendarmerie nationale, suivi de 2 véhicules rapides d'intervention de la gendarmerie, de 8 véhicules blindés légers du 12e régiment de cuirassiers d'Olivet, de 9 véhicules spéciaux de la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy et de 10 véhicules du corps des sapeurs-pompiers du Loiret. Le peloton motorisé de la police municipale d'Orléans clôturera enfin le défilé. À l'issue, les honneurs aux emblèmes seront rendus place Sainte-Croix. La présence de l'ensemble des formations militaires de la région orléanaise lors de ce défilé témoigne de l'attachement des unités de la garnison à ce rendez-vous historique de la cité johannique. Chacun des hommes et femmes qui défileront devant vous symbolise le lien robuste qui unit les forces armées à la nation. La police nationale ne défilera pas cette année, mais est présente parmi vous afin d'assurer votre sécurité. Accueillez à présent la musique de l'air aux ordres du capitaine Douvre.
Depuis sa création en 1936, la musique de l'air a toujours associé à son rôle dans le protocole de la République celui d'un rayonnement culturel. Implantée sur la base aérienne 107 de Villacoublay, la musique de l'air est placée sous l'autorité du Centre d'études stratégiques aérospatiales. Elle assure toutes les cérémonies militaires officielles qui jalonnent la vie de l'armée de l'air et de l'espace et de ses unités. Au-delà des nombreux concerts qu'elle propose à un large public, la musique de l'air s'impose comme véritable ambassadeur culturel musical de l'armée de l'air et de l'espace. Fréquemment invitée dans les salles de concert et des festivals de renom, la musique de l'air collabore également à des émissions télévisées, s'affirmant ainsi comme authentique lien entre l'armée de l'air et l'espace et la nation. Le défilé militaire qui se présente devant vous est ouvert par le colonel Antoine Verlet, chef de corps du 12e régiment de cuirassiers depuis bientôt 2 ans. Après plus de 5 mois et demi à la tête des casques bleus français de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, dans le cadre de l'opération Daman 41, le colonel défile en qualité de commandant des troupes du défilé militaire en hommage à Jeanne d'Arc. Mesdames, Messieurs, apparaît désormais dans l'axe de la cathédrale la 400M Atlas baptisée Ville d'Orléans, avion polyvalent qui fait partie de la 61e escadre de transport de la base aérienne d'Orléans-Brissy. Il est escorté par 2 Mirage 2000C de la base aérienne 115 d'Orange qui font partie de l'escadrille Jeanne d'Arc, la SPA 124, héritière de traditions datant de la Première Guerre mondiale. Le groupement de gendarmerie du Loiret, placé sous les ordres du colonel Garérès, ouvre le défilé à pied avec le drapeau de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire. Le peloton est constitué de gendarmes servant dans les unités et services basés à Orléans, à l'instar de l'état-major régional, de la section de recherche, du groupement de gendarmerie départementale du Loiret, de la compagnie d'Orléans et de l'escadron de gendarmerie mobile 41-3 d'Orléans. La région de gendarmerie de Centre-Val de Loire est composée de 5000 hommes et femmes, dont 1500 réservistes, et est commandée par le général de division Hermann. Défile devant vous le 52e bataillon de transmission américain, son drapeau et sa garde. Commandé par le lieutenant-colonel Slade Smith, il est stationné en Allemagne, près de Stuttgart depuis 1974, d'où il assure les transmissions des grands états-majors américains en Europe. Il est également implanté dans le sud de l'Allemagne, en Bavière et au Bade-Württemberg. Le 52e bataillon de transmission américain participe depuis de nombreuses années aux cérémonies du 16 août, entretenant le souvenir de la libération d'Orléans et du Loiret par l'armée américaine en 1944. Devant vous se présente le 12e régiment de cuirassiers. Précédant l'étendard, le lieutenant-colonel François, chef du bureau opération instruction, commande le détachement à pied. Le 4e escadron servant sur Charles Leclerc est aux ordres du capitaine Martin. Le 12e régiment de cuirassiers est une formation multiséculaire puisqu'il a été créé le 24 mars 1668 par le roi Louis XIV pour assurer la protection de son fils, le dauphin de France. Il appartient aujourd'hui à la 2e brigade blindée, héritière des traditions de la célèbre division Leclerc qui a libéré Paris et Strasbourg en 1944 avec ses unités blindées. Le régiment se compose de 3 escadrons de chars, de 2 escadrons de reconnaissance et d'intervention, d'un escadron de commandement et de logistique et de 2 escadrons de réservistes. Sa mission principale est d'intervenir sur des opérations de haute intensité.
Implanté à Olivet depuis 1994, le 12e régiment du cuirassier a été engagé ces dernières années sur tous les théâtres d'opérations extérieures. Kosovo, Afghanistan, Tchad, République de Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, République centrafricaine ou encore le Liban, dont il est rentré il y a un mois. Défile à présent le Centre national de soutien opérationnel aux ordres de son chef de corps, le colonel Julien Chaise, suivi du drapeau du 43e régiment de transmission et de sa garde. Il précède les 5 commandants d'unité élémentaires, qui sont chacun accompagnés de leur fanion d'unité. De la gauche vers la droite défile le lieutenant-colonel Siondini, commandant le Centre national de mise en œuvre du chiffre, le capitaine Blontroc, commandant la compagnie appui aux opérations, le capitaine Letellier, commandant la compagnie plateforme logistique, le capitaine Lochu, commandant le centre d'adaptation à l'emploi de la direction des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information, et le capitaine Jean-Pi, commandant la compagnie article contrôlé de la sécurité des systèmes d'information. Puis arrivant derrière ces deux chefs de section se présente une compagnie du CNSO dont la variété des tenues illustre la diversité des origines du personnel de cet organisme interarmé. Les troupes de la base aérienne 123 qui défilent devant vous sont placées sous les ordres du lieutenant-colonel Cadel, commandant second de la base aérienne, suivi par le drapeau du centre d'instruction des équipages de transport et de sa garde. La base aérienne 123 d'Orléans-Brissier est commandée depuis septembre 2021 par le colonel Vernet, également commandant de la base de défense, commandant d'armes de la place d'Orléans et délégué militaire départemental du Loiret. Près d'un tiers de l'effectif de la base aérienne, composé de 2600 personnes, et engagé chaque année sur des théâtres d'opérations extérieures. La base aérienne accueille depuis l'été 2013 l'avion de transport à 400M Atlas qui, par sa polyvalence et sa modernité, transfigure les capacités de transport stratégique et tactique des armées. La flotte actuelle de 18 aéronefs sera portée à 20 appareils courant 2022. Dans le cadre de l'optimisation de l'organisation de l'armée de l'air et de l'espace, la BA 123 conforte son rôle majeur en s'apprêtant à accueillir à partir de 2023, le général commandant la brigade aérienne d'appui projection, présent parmi nous aujourd'hui, et son état-major, actuellement installé à Bordeaux. Ainsi, tout ce qui relèvera de la préparation au combat pour l'aviation de transport de l'armée de l'air et de l'espace sera organisé à Orléans. Saluons maintenant l'escadrille Jeanne d'Arc avec son fanion et sa garde. La SPA 124, Jeanne d'Arc, fait partie de l'escadron de chasse 25 Île-de-France, stationné sur la base aérienne d'Orange. Bien que sa mission principale soit la défense aérienne, l'escadron de chasse 25 Île-de-France, équipé de Mirage 2000C monoplace et de Mirage 2000B biplace, est également chargé de l'entraînement et de la transformation opérationnelle de tous les pilotes de Mirage 2000. Voici, défilant derrière la pharmacienne principale Jarzuel et le fanion de la direction des approvisionnements en produits de santé des armées, un détachement du camp de Chanteau. Sur ce site jouxtant Orléans sont également implantés, outre cette direction, la pharmacie centrale des armées, l'établissement central des matériels du service de santé des armées et la plateforme achat, finance, santé. Le ravitaillement médical constitue la chaîne de soutien indispensable qui permet d'approvisionner les formations médicales des armées en métropole, outre-mer, à l'étranger et en opération pour garantir une prise en charge médico-chirurgicale optimale et continue du militaire. Saluez à présent le détachement du groupement de soutien de la base de défense d'Orléans-Brissy, précédé de son fanion et de sa garde, et placé sous les ordres du lieutenant-colonel Perruchon. Créé en 2011, le groupement de soutien, actuellement commandé par l'administrateur d'État hors classe Michael Magan, a pour mission de soutenir en tout temps, tout lieu, toutes circonstances, les 37 organismes de la base de défense répartis sur les départements du Loiret, de l'Eure-et-Loir et de l'Yonne, représentant un effectif de plus de 6000 militaires et agents civils. Outre leur mission sur le site, les militaires du groupement sont également fortement engagés en opération aux côtés des unités combattantes afin de leur apporter tout le soutien nécessaire à la réussite des missions, que ce soit dans les différentes opérations extérieures en cours, mais également dans les dispositifs de protection du territoire et notamment dans le cadre de l'opération Sentinelle. Les jeunes cadets de la Gendarmerie nationale qui défilent devant vous ont tous effectué leur phase 1 du service national universel. Ils clôturent en ce 8 mai leur phase 2 du SNU, appelée « Mission d'intérêt général ». Composés de jeunes filles et de garçons âgés de 15 à 17 ans, ils ont été choisis parmi de nombreux volontaires pour former une cohorte de 30 cadets. La prochaine promotion débutera en octobre pour ceux qui ont effectué cette année leur phase 1 du SNU.
préparation militaire marine, son fanion et sa garde qui défilent devant vous sont aux ordres du lieutenant de vaisseau de réserve, Mathieu Huglot. Elle est composée d'un chef de centre, de 9 cadres instructeurs, de 50 stagiaires âgés de 16 à 20 ans. Son unité marraine est le prestigieux commando de marine enseigne de vaisseau de Montfort, basé à Lorient. Ce défilé marque la fin d'un cycle composé d'instructions militaires maritimes et sportives, mais aussi et surtout une fantastique aventure humaine. Une soixantaine de jeunes sapeurs-pompiers des sections des centres de secours d'Orléans Nord et d'Orléans Sud défilent à présent devant vous, précédés de leur drapeau et de sa garde. Cette section est composée de filles et de garçons âgés de 12 à 16 ans, tous volontaires pour suivre une instruction de 4 ans pour apprendre les gestes et les techniques du sapeur-pompier, la rigueur, la discipline et la cohésion. À leur majorité, ils auront la possibilité de passer un concours pour devenir sapeur-pompier professionnel ou s'orienter vers une carrière militaire au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Un détachement de 2 cavaliers du régiment de la garde républicaine de Paris, en poste au domaine de Chambord, clôture ce défilé à pied. Le régiment de cavalerie de la garde républicaine comprend 550 militaires et civils, dont environ 10% de femmes. Il s'agit de la plus grande formation montée au monde et de la dernière unité à cheval de l'armée française. Principalement installé à Paris et à Saint-Germain-en-Laye, il compte un groupe à Marseille et 9 postes permanents sur le territoire. Le régiment, commandé depuis 2020 par le colonel Gabriel Cortès, assure environ 500 services d'honneur par an, dont ce défilé est celui du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Ces missions ne représentent toutefois que 20% de son service, la majorité étant composée de patrouilles ou de sécurisation de sites et d'événements. Détachement motocycliste de la gendarmerie qui ouvre le défilé motorisé est placé sous les ordres du capitaine Trio, commandant en second de l'escadron départemental de sécurité routière du Loiret. Le peloton motocycliste est suivi de 2 nouvelles Alpines A110 en service en région Centre-Val-de-Loire, véhicules rapides d'intervention destinés à remplacer progressivement les Mégane RS. Ces unités luttent quotidiennement contre l'insécurité routière. Elles s'engagent notamment dans la surveillance du réseau, l'action éducative et préventive, l'aide aux usagers en difficulté, la répression des infractions et l'intervention sur les accidents. L'escadron départemental de sécurité routière du Loiret est constitué d'un peloton d'autoroute à Orléans, de 2 pelotons motorisés à Panne et Beaune-la-Rolande, de 2 brigades motorisées à Orléans et Briard et d'une équipe rapide d'intervention. Se présente à vous un peloton de 8 VBL du 3e escadron du 12e régiment de cuirassiers d'Olivet aux ordres du capitaine Romain. Les cuirassiers sont dans la tenue combat Centre-Europe. Les véhicules blindés légers revalorisés que vous voyez ici servent actuellement sur la majorité des théâtres où sont redéployées les unités de l'armée française. La mission de cet escadron inclut la reconnaissance et l'intervention. Ils peuvent être déclenchés sur très court préavis. Ils reviennent du sud Liban, où ils ont été déployés au sein du bataillon de réserve du général commandant la force intérimaire des Nations Unies au Liban.
De retour en France, ils sont de nouveau à pied d'œuvre pour entamer leur mise en condition opérationnelle dans le cadre de la mission Sentinelle. C'est également cette unité qui a monté puis assuré en 2021 l'accueil et la logistique du pôle militaire de vaccination d'Olivet pendant 2 mois dans le cadre de l'opération Résilience. Se présentent maintenant les véhicules de la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy avec, en tête, 3 véhicules de patrouille spéciale, ou VPS, du commando parachutiste de l'air numéro 10, unité des forces spéciales engagées sur tous les théâtres d'opération, agissant la plupart du temps de façon furtive dans des conditions opérationnelles toujours très risquées. Leur maître mot, discrétion, humilité, efficacité. Suivent 3 véhicules de patrouille du commando parachutiste de l'air numéro 30, autre commando spécialisé implanté sur la base aérienne depuis 2017. Le CPA-30 est mis en œuvre par l'armée de l'air et de l'espace dans le cadre d'opérations conventionnelles spécialisées dans la récupération de personnel isolé, l'appui aérien et dans le cadre de sollicitations sur des missions ponctuelles du fait de ses compétences très particulières. Enfin arrive un véhicule Scrib qui équipe l'escadron électronique sol, unité héritière des traditions de l'escadron de guerre électronique stationné en Allemagne pendant la guerre froide. Cette unité de renseignement et de guerre électronique a pour mission la recherche du renseignement d'origine électromagnétique, le brouillage des communications et le soutien technique des matériels de guerre électronique. Les 2 véhicules qui se présentent à vous sont des véhicules mis en œuvre par l'escadron de sécurité incendie et sauvetage de la base aérienne 123. A noter localement, un véhicule mousse aérodrome, VMA, type 108, d'une capacité de 10 000 litres d'eau et de 800 kg d'émulsifiant, d'où son nom, ce véhicule est armé par un équipage de 2 à 3 personnes. 4 véhicules de ce type assurent une permanence H24 sur la plateforme aéronautique d'Orléans-Brissy. Le détachement qui défile à présent devant vous est placé sous les ordres du capitaine Freddy Garnier, chef du centre d'incendie et de secours d'Orléans Centre. Il est suivi par le drapeau du corps départemental des sapeurs-pompiers du Loiret. Actuellement commandé par le colonel hors classe Christophe Fuchs, le service départemental d'incendie et de secours du Loiret est placé sous une double autorité. Tout d'abord, celle de Mme Régis Schenström, préfète de la région Centre-Val-de-Loire, préfète du Loiret pour ce qui concerne l'activité opérationnelle. Et s'agissant de la partie administrative, également celle de M. Marc Godet, président du conseil départemental du Loiret et président du conseil d'administration du SDIS.
le corps départemental des sapeurs-pompiers du Loiret regroupe 395 sapeurs-pompiers professionnels, 1860 sapeurs-pompiers volontaires, 103 personnels de services de santé et de secours médical, 103 cadres et adjoints administratifs et techniques répartis au sein de la direction départementale et dans les 85 unités opérationnelles. Au cours de l'année 2021, les sapeurs-pompiers du Loiret ont effectué 42 424 interventions, soit une toutes les 12 minutes, 81% d'entre elles concernant des secours à personne. Le détachement des sapeurs-pompiers qui défile devant vous est constitué comme suit. Un groupe de secours routier, composé d'un véhicule de liaison et de secours médical, un véhicule de secours à victimes et un fourgon pompe tonne secours routier. Un groupe incendie suit, composé d'un véhicule chef de groupe, camion citerne, rural moyen et une échelle pivotante combinée. Puis un véhicule de secours nautique tracte un véhicule nautique motorisé, suivi d'un fourgon de l'unité spécialisée en milieu périlleux. Enfin, un véhicule porte-cellule et une cellule de lutte contre les pollutions précèdent un véhicule atelier destiné à assurer la maintenance des véhicules de secours qui ferment la marche. La police municipale d'Orléans, forte de 107 agents dont la devise est courtoisie, assistance, protection, participe activement à la sécurité et à la tranquillité des Orléanais. Grâce aux actions volontaristes des différentes équipes qui œuvrent de concert avec l'ensemble des services de l'État, la ville d'Orléans a enregistré entre 2020 et 2021 une baisse de plus de 5% de la délinquance sur la voie publique, portant à près de 85% la baisse mesurée entre 2000 et 2021. Se présente devant vous un détachement mobile de la police municipale d'Orléans. La brigade motorisée, qui a pour mission principale de lutter contre la délinquance routière et de veiller à la fluidité de la circulation. Un véhicule de la BSI, unité d'appui ayant pour vocation d'assister et de renforcer en permanence les 6 brigades territoriales de quartier. Et un véhicule de l'unité rapide d'assistance et d'intervention cynophile, unité qui exerce principalement ses missions en soirée et en première partie de nuit et intervient pour toutes les missions périlleuses et dangereuses. Mesdames et messieurs, le passage de la police municipale marque la fin de ce défilé militaire. Toutefois, l'hommage militaire à Jeanne d'Arc comporte une dernière phase qui est l'honneur aux emblèmes. Les emblèmes des corps de troupes qui ont défilé devant vous vont maintenant se présenter sur le parvis de la cathédrale face aux autorités. Les honneurs leur seront rendus par l'exécution de la sonnerie au drapeau, suivi de l'hymne des États-Unis d'Amérique et de l'hymne national.
Nous vous prions de bien vouloir vous lever et vous découvrir pour cette phase. Merci.
Mesdames, messieurs, ainsi se termine cet hommage militaire à Jeanne d'Arc 2022, qui, avec une participation de plus de 600 personnes et près de 50 véhicules, constitue le premier défilé militaire organisé en province. Merci de votre fidélité. Place au défilé commémoratif. Excellente fin de journée à tous. Au matin du 8 mai, après d'incessants combats, et au terme d'un siège de 7 mois, Orléans est délivré. L'Anglais, battu, quitte la ville. C'est alors que Jeanne, arborant fièrement son étendard, prend la tête d'une procession spontanément constituée. À ses côtés se presse le bâtard d'Orléans, les hommes d'armes, le clergé, les procureurs, les échevins et surtout le peuple, débordant d'enthousiasme, soulevé de gratitude, de joie et de reconnaissance éblouie. Tous traversent la Loire pour se rendre sur les lieux de la victoire, aux Tourelles et aux Augustins. Ils reviennent par le pont jusqu'à l'église Saint-Paul, puis se dirigent vers la cathédrale où est célébrée une messe solennelle pour rendre humbles grâces et louanges. C'est ce cortège initial qu'Orléans a continué à commémorer fidèlement au cours des siècles, en empruntant un itinéraire au plus proche de celui de 1429, les participants d'aujourd'hui mettent leurs pas dans ceux de l'histoire. En prenant naissance, au cœur même de l'événement, ce défilé traditionnel porte en lui toute la force d'une fidélité intemporelle.
Mesdames, messieurs, vous venez d'assister à l'hommage militaire rendu à Jeanne d'Arc. Maintenant, c'est au tour des autorités civiles et religieuses, ainsi qu'aux associations orléanaises, de rendre hommage à notre héroïne. Pour cela, les participants vont être conviés à constituer le cortège. Sont appelés le groupe musical La Vaillante Show Band, qui se place en tête et ouvre le cortège commémoratif. Jeanne d'Arc et son escorte. Nous pouvons féliciter, applaudir chaleureusement Clotilde, que nous appellerons aujourd'hui tout simplement Jeanne. Jeanne d'Arc et son escorte.
la délégation des guides d'Europe, unité à laquelle Jeanne appartient. L'association Jeanne un jour, Jeanne toujours, créée à l'occasion du 50e anniversaire de la cérémonie dite de la remise de l'épée. Il s'agit d'une association qui réunit les anciennes Jeannes. Les jeunes gens et jeunes filles de l'institution sereine en costume d'époque. Les ateliers de Jeanne, dont les costumes nous éblouissent par leurs couleurs et leur beauté. Les Chardons d'Orléans. Le Pipe Band d'Aubigny-sur-Nère. L'association Cléry, son histoire en lumière. Le drapeau de l'Union des Amicales Régionalistes du Loiret.
le drapeau de l'Union des Amicales Régionalistes du Loiret. Madame la Présidente et Messieurs les Vice-Présidents de l'Union des Amicales Régionalistes du Loiret. Le groupe des Antillais, créé en 1960, le club Antillais du Loiret réunit les originaires des départements d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Ils savent nous apporter notre rythme, leur chaleur, leur couleur et le plaisir de faire la fête. Les Ch'timis, créée en 1927, l'amicale regroupe les amoureux du Nord, de la France, et plus particulièrement de la Picardie, des Flandres et de l'Artois. Ils aiment évoquer l'histoire de l'industrie minière liée à cette région, ainsi que ses traditions qui savent générer chaleur et amitié. Le soufflet de Corneviel, créé en 2008, est l'ensemble musical de l'Union des Amicales Régionalistes. Il met principalement à l'honneur des instruments comme la vielle à la roue, la cornemuse et l'accordéon. Son répertoire est composé essentiellement d'airs à danser. Tradidance, comprenant l'Orléanais, le Morvan Nivernais, la Châtaigne, les Normands et le Berry. Créé en 2013, Tradidance regroupe les passionnés de danse régionale du centre de la France et de Normandie. Le groupe aime partager sa passion, soit en proposant des spectacles de danse ou en dansant entre amis. L'Amicale Sologne-Blaisois, créée en 1925, et celle de la Bourgogne, fondée en 1939, aime à partager et à perpétuer les traditions de la musique, des danses et des contes de Sologne et de Bourgogne, dans un réel esprit festif. La Aliéro, créée en 1906, elle est la doyenne de nos groupes. Cette vieille dame démontre encore aujourd'hui une dynamique reconnue. Elle est composée de Gascons et de Méridionaux. La chaude ambiance du Midi de la France est apportée par ses danseurs et ses échassiers.
Les Chabis. Créée en 1949, rassemble les originaires et les sympathisants des Charentes, du Poitou et de la Vendée, et savent promouvoir la culture de cette région grâce à leurs chants, musique, danse et costumes riches et variés. Le bagad de la Quévraine Orléans, Union Bretonne du Loiret, accompagné du badac du Cercle de Tours, est fier de porter haut la culture et les traditions bretonnes. Créée en 1927, l'association permet aux Bretons venus nombreux dans la région orléanaise de se retrouver au sein d'une communauté. Elle accueille aujourd'hui tous ceux qui aiment la Bretagne et qui veulent aider à promouvoir la culture bretonne sous toutes ses formes. Principalement par la danse, la musique, le chant, la langue et le costume, suivi de leurs danseurs. L'association des fêtes historiques de Ferrières-en-Gâtinais. Les Bretteurs de Saint-Jean. La musique municipale d'Orléans, dont nous sommes très fiers et que nous pouvons applaudir.
drapeau de la ville d'Orléans, de la France et de l'Europe. Madame Masha Kondakova, présidente des fêtes. Monsieur Serge Grouard, maire d'Orléans, président de la métropole. Madame Régine Engstrom, préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret. Mesdames et messieurs les parlementaires du Loiret. Monsieur le général de brigade aérienne Fabrice Féola, commandant la brigade aérienne d'appui et de projection, invité militaire des fêtes. Monsieur le colonel Guillaume Vernet, commandant d'armes de la place d'Orléans et les autorités militaires de la garnison d'Orléans. Le Marching Band Galaxy, chant band orléanais.
les lanceurs de drapeaux Alcyone. Le conseil municipal des jeunes, sous le regard bienveillant de Sébastien Chauveau. Mesdames et messieurs les maires adjoints et adjointes au maire d'Orléans, suivis des conseillers municipaux délégués d'Orléans et des conseillers municipaux d'Orléans. Mesdames et messieurs les membres de la délégation de Cracovie et citoyens d'honneur de Cracovie. Le jumelage entre Orléans et Cracovie fête son 30e anniversaire cette année. Mesdames et messieurs les représentants des villes joanniques. Mesdames et messieurs les maires d'Orléans Métropole, suivis de mesdames et messieurs les conseillers métropolitains.
Monsieur le Président de la région Centre-Val de Loire, suivi de Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental régional. La batterie fanfare intercommunale Ingré-Orme. Jeunes sapeurs-pompiers d'Orléans Nord et Sud.
Monsieur le Président du Conseil départemental, suivi de Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux. Mesdames et Messieurs les représentants consulaires, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel et Monsieur le Procureur général, ainsi que Mesdames et Messieurs les magistrats près la Cour d'appel, Monsieur le Président du Tribunal administratif, ainsi que Mesdames et Messieurs les magistrats près le Tribunal administratif, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire et Madame la Procureure de la République, ainsi que Mesdames et Messieurs les magistrats près le Tribunal judiciaire. Madame la Rectrice d'Académie, Chancelière des Universités, ainsi que Monsieur le Président de l'Université et Mesdames et Messieurs les membres de l'Université, suivis des étudiants de l'Université. Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les directeurs des services déconcentrés des administrations civiles de l'État. Monsieur le vice-président du tribunal de Prud'homme et Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires. L'harmonie Saint-Marc, Saint-Vincent. Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, sous la responsabilité de Jacques Coltier.
Mesdames et messieurs, les porte-drapeaux. La Société des membres de la Légion d'honneur, section du Loiret. Les médaillés militaires. L'Union nationale des parachutistes, section Orléans-Val-de-Loire. L'association dit une Celtigue. Les scouts et guides de France Saint-Marceau. Les guides et scouts d'Europe. Guides de France. L'association Sainte-Jeanne, hier, aujourd'hui et demain.
Monseigneur Jacques Blacard, évêque d'Orléans, messieurs les membres du clergé, l'ordre militaire et religieux des chevaliers de Saint-Lazare de Jérusalem, l'Alouette de Pithiviers. La protection civile du Loiret avec les représentants de la section des cadets et des jeunes du service national universel. Le CLTO hockey sur gazon.
la SMO Gymnastique. Le Cercle d'escrime orléanais. Orléans Loiret Basket Association. La Ronda Minota.
USO Loiret Football. La Montjoie gymnastique artistique, gymnastique rythmique et tir à l'arc. L'éco-volée. L'Union pétanque argonnaise. L'harmonie de la chapelle Saint-Mémin. Orléans, Loiret, cyclisme. Le hockey sur glace, les renards. L'Aviron Club Orléans-Olivet.
le Budokan Karaté. L'Association des parents et familles espagnoles émigrés en France. Saint-Vincent, sport et culture. USO Sport de glace. Le Rugby Club Orléans. Très bel après-midi à toutes et à tous et merci.